Bonjour, je m'appelle Zabun Bark, j'ai 19 ans, je suis étudiante à l'École nationale supérieure de l'art et de design. Honnêtement, c'était une expérience difficile et belle à la fois. J'ai étudié le primaire à Tayart, à Tarodond, le village qui est loin, 5 km de mon village à Etrier. Donc, j'étais obligée de parcourir toutes ces distances en marchant chaque jour pendant 16 ans, jusqu'à ce que j'ai dépassé à l'école secondaire. Ici, les choses deviennent plus compliquées parce que les filles dans mon village ne dépassent pas le primaire, car l'école secondaire était loin, 25 km. Mais mon père a accepté de me donner une semaine d'essai. Si je m'adapte, elle me laisserait continuer mes études secondaires. Donc, j'ai dû me lever tôt avant le lever du soleil et marcher 5 km et parfois 15 km pour trouver le transport. D'abord, avant de venir à l'INSAD, au tronc commun, j'avais étudié la technologie à Tarudan. Mais j'étais toujours obsédée par l'art, alors en première année bac, j'ai décidé de changer ma spécialité en faisant les arts appliqués. Donc, j'ai passé un concours et j'ai réussi à être acceptée avec 11 candidats parmi 30 participants. En deuxième année bac, je suis obligée d'aller à Agadir pour continuer mes études aux arts appliqués parce qu'il n'avait pas assez d'enseignants à Tarudan. Et après obtenir mon bac, j'ai accédé à l'INSAD. Le football, le jonglage, ceux d'obstacles. Et bien sûr, le dessin. C'est dans ce dessin que j'ai découvert mon vrai talent caché. Oui, j'ai travaillé auparavant avec l'association Jeunes Atlas. C'est une association qui fait plusieurs activités. J'ai participé avec eux aux peintures murales. J'ai appris plein de choses. Premièrement, j'ai appris de suivre ce qui me semble bien pour moi et de ne pas être soumise aux idées propagées dans mon village. Deuxièmement, j'ai appris à me faire confiance et suivre mon ambition jusqu'au bout. Troisièmement, j'ai appris aussi à faire face aux difficultés pour atteindre mon objectif. Oui, je voulais juste dire qu'il est très important d'avoir un objectif et une ambition dans la vie. Parce que si vous avez un objectif, votre cerveau fera l'impossible pour l'atteindre.